Ça va, vous êtes chaud? Temps merveilleux, franchement, t'as commandé le beau temps. Bon, ça va? Ah ouais, ça va. C'était dur, mais ça va. Belle expérience. Là, la petite fin, et j'ai vu que tu paniquais un peu, j'ai pas paniqué. J'ai regardé, surtout, j'étais content. Ouais, elles sont secs? Sèche, pardon. Ouais, sinon, à l'intérieur, normalement, on doit pouvoir faire sécher, là. Venez, on va rentrer. C'est pour vous occuper, parce que les factures, c'est pas écrit plus bon. Alors, cette nuit, on a encore des orages jusqu'en soirée, puis la stabilité s'estompe avec la nuit. Retour d'un temps sec, 3000 est, 20 km/h, température minimale à 3000, moins 4 degrés. Pour demain, temps variable et frais, belles éclaircies en vallée. Après, plus nuageux l'après-midi, avec averse qui se généralise, la limite du neige demain après-midi, 2500-2700 mètres. Le vent à 3000, nord-est puis nord, 10 à 20 km/h. Les maximales à 2000, 12 à 13 degrés. À 3000, 2 degrés. Et l'isotherme 0, 2000-3000 mètres. Un risque d'avalanche. C'est quand même la première fois dans ce refuge qu'on va donner un bulletin de risque d'avalanche le premier jour. C'est bien ça. C'est beau. Alors, on sera en 1 évoluant en 2 en dessous de 3000 mètres et en 2 au-dessus. Dans toutes les orientations sont concernées. Pour les départs spontanés, ils sont peu probables. Les éclaircies qui vont humidifier la neige récente, pas de la nuit. Et au-dessus de 3400 mètres, la neige... Et en dessous...